Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, différentes raisons. Alors le boulot, beaucoup de boulot, tout seul pour tout faire on va dire. Et puis quelques petits ennuis de santé, mais j'en dirai pas plus. Hein, vous avez déjà tous vos soucis, donc je vais pas en rajouter, voilà. Allez. On va commencer par mon plus vilain champ de colza. Celui où j'avais dit qu'il n'était pas sûr que je le conserve, puisque semé au 12 septembre. Donc vous allez voir, je vais essayer de le conserver, contrairement à ce que je pensais. Alors vous voyez, petit colza, très sale. Beaucoup de régras. Et encore ici, vous n'avez rien vu, vous allez voir... Vous voyez ici, pourtant j'avais désherbé avec un antigraminé, un Exo 7 exactement, mais pourquoi il n'a pas fonctionné, je ne sais pas du tout. Donc c'est derrière pois d'hiver, donc vous voyez, on voit quelques repousses de petits pois, et puis de nombreuses autres mauvaises herbes. Bon voilà, bah, écoutez, on va continuer. J'ai réussi à filmer quand même pendant mes semis. Alors c'était assez disparate. Je vais essayer de vous monter une vidéo à peu près correcte quand même. Et puis voilà, n'hésitez pas de laisser des commentaires sur les différentes choses. Alors les vidéos vont peut-être être un petit peu mélangées. Hein. Là on est dimanche. Il est presque midi. Dimanche 20, je sais plus combien, je vais vous dire ça. 27, dimanche 27 novembre, voilà. Donc je vais vous mettre tout ce que je vous ai pas mis, ou du moins le maximum, pour que ça fasse quelque chose de correct, comme je disais. Allez, c'est parti. Bon, ce coup-ci, on se retrouve dans une de mes parcelles de blé semées fin octobre. Derrière colza, sur laquelle vous avez vu normalement la petite vidéo sur la destruction du lotier corniculé avec le disque au mulch. Là je suis dans ma parcelle derrière colza où j'avais semé plusieurs graines dedans, dont du lotier corniculé que l'on voit ici. Et il est tout petit là, il a pris place un peu partout. Et alors les cannes de colza avaient été broyées hein, pour mettre à l'air, on va dire, les cannes au soleil, parce que les champignons, notamment sclérotinia, ça je le répète, ils n'aiment pas le contact direct des rayons du soleil. Donc ça évite la propagation du sclérotinia. Mais comme là je veux mettre un blé, j'ai essayé avec mon horche en semi-direct, ça passe pas, hein, comme c'est des dents... Du coup, ça fait trop de traînée derrière, hein. Il y a trop de... Je sais pas si vous voyez, quand la dent passe là-dedans, c'est vraiment trop fibreux au sol. Et en plus, il y a encore les... Bon, c'est en train tout doucement d'être mangé, hein. Vous voyez, les pailles de colza commencent déjà à se détruire tout doucement. Mais bon, je peux pas semer un blé là-dedans. Donc du coup, j'ai décidé pour deux choses... de détruire mécaniquement, pour l'instant, et non chimiquement, mon lotier corniculé et puis les repousses de colza qu'il peut y avoir dans la parcelle. Alors ça, c'est la première chose. Comme ça, je vais aller sur la partie au-dessus là que j'ai déjà travaillé. Donc vous allez voir, je vais certainement passer qu'une seule fois. Je pense que c'est assez pour que mon semoir passe. Alors voilà le travail, je travaille vraiment pas profondément, sachant que là ce week-end il est tombé entre 50 et 60 mm. Donc j'ai attendu d'être l'après-midi mardi, on est aujourd'hui mardi, pour pouvoir détruire. Alors vous voyez, comme je ne vais pas fort profond, bah, du coup il y a des colzas qui sont repiqués. Donc ces colzas-là, c'est à peu près sûr qu'ils vont repartir. Voilà. Le lotier, c'est pareil, il va être détruit en partie, mais pas entièrement, mais de toute manière, cet hiver, il va s'endormir.
Et magie de la nature. Alors je ne sais pas si je vais en trouver là. C'est que le lotier, eh ben, il a fait son cycle, il est arrivé en graines. Et donc en ce moment, il y avait. Alors j'ai peut-être ici là, voilà. Vous voyez, on voyait petit sac là. En fin de compte, dedans, il y a les graines du lotier corniculé. Donc je suis peut-être tout simplement en train de ressemer du lotier. Et puis ben, ça fera comme l'année dernière dans mon colza. J'avais semé le colza fin août l'année dernière. Le lotier avait poussé dedans pendant l'hiver. Enfin, avait germé, il était resté en dessous puisque le lotier s'endort l'hiver. Et puis arrivé vers le mois de mai, il a commencé tout doucement à pousser. Donc là, j'espère que ça fera pareil dans le blé. On va essayer à nouveau de garder tout ça. Et la deuxième chose, il y a une partie du lotier adulte, on va dire, qui va être détruit mécaniquement. Et j'espère profiter de la bonne quantité d'azote qu'il peut y avoir. Alors déjà, ça fait une bonne masse végétative fraîche qui arrive au sol. Ce sera super bien pour la pousse du blé. Et la deuxième chose, eh ben, c'est l'apport d'azote que va me donner le lotier, puisque c'est une légumineuse et qu'il y a des nodosités sur les racines qui vont du coup être détruites. Et il est fort possible pour le désherbage de mon blé, puisque maintenant on désherbe principalement à l'automne, les désherbants antigraminés de printemps ne fonctionnent plus. Donc il faut désherber quasi immédiatement après le semis, en prélevé. Et je vais donc mélanger, et on a le droit, 1 litre de glyphosate avec mon désherbant antigraminé que je mettrai en post-levé, en post-semis prélevé, je veux dire, post-semis prélevé. Et le litre de glypho viendra tout simplement facilement détruire. Vous voyez, ces colzas qui sont encore implantés. Et puis certaines mercuriales, mâles et femelles, là, qui sont des plantes de couverture d'été, qui ne me dérangent pas beaucoup, mais qui seront grillées aussi. Puis de toute manière, s'ils gèlent un peu fort, elles vont disparaître cet hiver. Bon, voilà, alors toujours avec mon disque mulch. Bon, bah écoutez, hein, je vais continuer tout doucement. J'en ai 20 hectares et demi à faire. Alors j'aurai peut-être uniquement les passées de traitement à faire deux fois parce que du coup elles sont un petit peu creusées. Et étant un petit peu creusées, bon bah j'arrive pas à gratter au fond. Là je suis vraiment à 3-4 cm, 5 cm grand maximum de profondeur. C'est vraiment pour détruire le lotier. Hein, je vous remontre, hein, il est assez épais par endroit. Hein. Bon, il s'est un peu écroulé, et puis il a déjà été broyé deux fois. Mais c'est quand même quelque chose d'assez résistant. Et en repousse de colza, on peut voir qu'il n'y a pas grand-chose. Alors, je pourrais pas vous le montrer, mais j'ai constaté, j'ai une coupe qui fait 7,70 m sur la moissonneuse. Donc, on va dire, allez, vraiment, opérationnellement, c'est 7,50 m qu'on prend dans le champ. Il n'y a quasi aucune repousse entre les cunes moissonneuses, on va dire. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. Il n'y a vraiment pas grand chose qui relève. Là, c'est. Hein, quand on met 50 à 60 pieds de colza, pas du colza hybride, hein, du colza ligné, ça fait 3 kg hectares, on va dire, grosso modo. 2,5 kg, 3 kg hectares. Bah là, voilà, la perte. Sur l'ensemble, on doit être à 3-4 kg, quoi, parce qu'il y a quand même l'arrière de la machine. Alors l'arrière de la machine, c'est 1,50 m. Vous voyez, on voit un petit peu plus de colza. Mais je dirais un petit peu plus de colza, ça correspondrait quasi à un semis, quoi. Donc un semis, comme je disais, c'est 2,5 kg, 3 kg hectares. Donc la machine était quand même pas trop mal réglée, on va dire. Alors c'est moi qui l'ai réglée, d'accord, mais c'est surtout sur le C-Bis de la machine, hein, un système qui nous permet d'optimiser les pertes de la machine et la vitesse d'avancement. Bon, ben voilà, écoutez, je vais continuer. J'en ai encore pour... là, j'ai dû faire un hectare sur les 20 et demi. Il est déjà 15h30 facile. Ben voilà, c'est tout. Je vous reprends un petit peu après ou alors lors du semis pour vous montrer... comment ça passe? Donc voici, elle est
très bien levée. Elle est au stade, vous voyez, une, deux feuilles. Donc, la troisième feuille, je la vois pas encore, mais bon, elle va pas tarder. Donc, un très bon stade pour passer l'hiver et résister au froid. Surtout que ce blé-là résiste déjà naturellement très bien au froid. Alors, on s'aperçoit qu'il reste quelques repousses de colza qui ne sont pas morts. Alors, ce sera repris au printemps avec un désherbage anti-dicote, puisque là, il n'y a eu que de l'antigraminé de fait. Alors, j'ai semé avec les pointes Winge, hein, j'ai semé tout cet hiver avec les pointes Winge de chez Metcalf. Donc vous voyez, ça forme à peu près deux sillons, ou un énorme sillon large, on va dire. Ça a fait une petite butte. On voit encore les cannes de colza qui sont là en surface. Et le lotier corniculé, on verra bien au printemps, ou du moins vers le mois d'avril-mai, quand il va repointer réellement son nez, parce que là il va s'endormir, ou peut-être que je l'ai tout simplement tué. Vous voyez, il est là, mais j'ai l'impression qu'il est encore là. Donc il faudra certainement que je le régule, comme j'avais fait dans la luzerne, le blé semé dans la luzerne, que je le régule au printemps pour pas qu'il prenne le dessus sur le blé. Et puis c'est tout, on verra bien. Alors dans cette parcelle, je vais essayer de faire différentes choses pour l'azote. Déjà des prélèvements au quad par une entreprise qui va venir cet hiver, et puis qui va faire des prélèvements à 30, 60 et 90 cm pour voir l'herlica qu'il y a. Et en plus de ça, je vais essayer de doubler, voire tripler. Je vais essayer de voir avec ma coopérative pour faire ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Farmstar. Je vais le faire en N-tester. Et puis je vais le faire aussi avec la chambre d'agriculture, je ne me rappelle plus le nom que ça a, pour comparer un petit peu sur la même parcelle s'il y a des différences ou pas d'apport d'azote. Bon, c'est tout, on en reparlera, mais c'est un petit peu pour savoir où on en est dans toutes ces choses-là. Et puis aussi, bien sûr, la méthode des bilans que je pratique, et j'en ferai le calcul avec les herlicas azotés qui me seront donnés par le quad. Bon, bah écoutez, voilà pour cette parcelle. Donc très bien levé. Je suis très content. Alors pas ici, mais plus sur le haut, encore quelques dégâts de sangliers. D'un sanglier, un beau sanglier. Mais d'après ce que les chasseurs m'ont dit, ils en ont tué un il y a quelques jours, donc je verrai si c'était celui-là ou pas. Enfin, c'est tout. Allez, on va aller dans mon escourgeon qui est là-haut. J'avais semé celui-là de tête, je crois que c'était le 8 octobre. Hein, j'avais semé mon escourgeon le 8 octobre, et ensuite l'ensemble de mes blés, j'avais commencé à semer à partir du 15 octobre. Allez, c'est parti. Bien, me voici arrivé dans mon escourgeon, donc semé de tête le 8 octobre, KWS Faro. Donc voici l'évolution par rapport à la dernière vidéo que j'avais prise. Donc 22 octobre, 15h30. Je suis dans ma parcelle que j'ai semée en escourgeon variété Faro, 320 grains par mètre carré, voilà pour résumer. Donc vous voyez, il est très bien levé. Il vient de prendre avant-hier un orage de plus de 40 mm. On le voit, et on voit tout est brossé dans le sens d'écoulement de l'eau. Alors j'ai tellement de résidus en surface que du coup rien n'a bougé. Par contre, dans le village d'à côté, à Saint-Amand-sur-Fion, il y a eu des coulées de boue, et c'est pas la première fois, dans le village. Bon, voici, hein, généralement, vous voyez, la parcelle correctement levée. Il y a déjà des petits vulpins qui commencent à pointer le nez. Alors, j'ai déjà passé en prélevé du chlortoluron à 3 litres, chlortocide de tête, je crois, le nom commercial. Et bien sûr, je dis qu'il y a des petits vulpins qui lèvent, et j'en vois pas ici.
Mais bon, je vais repasser. Là, je trouve qu'il y a un petit peu trop de vent. Hein, on est à 15-16 km/h à peu près. Donc, sur la soirée, ça devrait nettement baisser. Et donc, je vais revenir mettre. Hein, normalement, c'est à partir de lever à une feuille. Bon, bah là, j'ai pas pu intervenir avant. Hein, il pleuvait. Et puis, quand il pleuvait pas, bah, j'ai essayé de préparer pour une grosse majorité de mes semis que je n'ai pas encore commencé. Hein, j'ai encore 60 hectares de blé à peu près, et puis ensuite, bon, bah, c'est des pois et puis de l'orge de printemps, ça viendra un peu plus tard. Alors en même temps, je cherche des petits vulpins, mais là, du coup, j'en vois pas. Bon, et je vais passer avec 0,6 litres de fausse burie. Et normalement, bah, ça devrait faire le joint, comme on dit. Alors vous voyez, on voit encore les petites zones où il y avait des trous de sangliers. Je sais pas si vous voyez là, ça n'a pas été assez rebouché, mais bon, c'est déjà ça. Et vous voyez les pointes Winge, là ce que ça fait, ça sème sur des bandes de... Ouais, qui font 8 cm de large à peu près. Ça fait presque 2 sillons côte à côte. Ce qui fait que l'écart entre deux rangs, au lieu d'être de 25 cm comme avec les pointes fines Metcalf, avec les pointes Winge de chez Metcalf, du coup, on rétrécit à 14-15 cm. Qui est un écart traditionnel sur un semoir, sur d'autres types de semoirs, on va dire. Hein, comme celui que j'avais avant, qui était un Lemken Solitaire 8, enfin que j'ai toujours, mais qui est rangé pour l'instant. Vous voyez, il commence à tout doucement à taler. Donc il occupe de plus en plus l'espace. Alors si vous vous rappelez bien, ou si c'est maintenant que je vous mets la vidéo, j'ai semé dans des énormes étoules de blé. Bien, je vous montre ce que c'est que la pointe Metcalf Winge, donc W-I-N-G-E-D. Donc vous voyez, c'est constitué en fin de compte de la pointe fine qui est ici, sur laquelle ils sont revenus soudés, deux ailettes, et sur l'arrière... Vous voyez, ça vient s'entourer autour de la descente, du tube de descente. Et sur l'arrière, voilà, on voit un petit peu, il y a une petite langue ici, là, où le grain vient taper sur la langue et séparer environ sur 6 cm de large. Donc, vous voyez le sol, voilà le travail que ça fait. Hein, et j'ai des débris végétaux en surface, c'est ce que je recherche, parce que vous voyez, même un seul coup de disco mulch, vous voyez la terre comme ça a fait aussitôt de la cendre, hein, je ne pouvais pas faire autrement... que ça. Et voilà, la graine est ici, vous voyez, elle est environ à 2, 3, 4 cm de profondeur de chaque côté. Voilà, je sais pas si on voit bien les grains là, ils sont là. Donc il faudra certainement que j'aille je repasse un coup de roule plat de Cambridge, que j'emprunterai à un de mes collègues. Je pense qu'il me le prêtera pour resserrer un petit peu tout ça, parce que c'est... Bon, c'est correctement, hein, c'est dur, mais vous voyez, on pourrait resserrer un petit peu. Bon, l'avantage de laisser des débris végétaux en surface, c'est que comme la parcelle... penche pas mal par ici, hein, celle où j'avais fait une vidéo cet été quand j'avais fauché le blé, où je vous avais montré le Montana, comment ça fonctionnait directement dans le champ de blé. Ça penchait pas mal, et il arrive souvent quand on labourait. Comme le champ fait 980 mètres de long, bah, imaginez ici quand il pleut 30 ou 40 mm, quand ça arrivait l'été, là souvent il y avait des l'eau courait. Maintenant avec ça en surface... Il n'y a plus rien du tout. Bon, par endroit, il y a un petit peu de mulch en surface comme ça, mais vous voyez, c'est très léger. Et de toute manière, les graines vont pousser en dessous. Bon, voilà pour la petite explication du pourquoi j'utilise ces dents-là. Et puis, si vous voulez, je vais lui faire un petit peu de pub, hein, si vous voulez en voir un petit peu plus sur ces dents-là. Ou pour en acheter, par exemple, que ce soit les pointes fines Metcalf ou les Winge. J'ai pas d'action chez lui, hein. C'est Julien Senet. Vous pouvez aller voir, hein, Kiwi Agronomie. Vous voyez toujours
hein, sur mon semoir son logo. Voilà, il est agriculteur et dans l'Oise, je crois, et en même temps, il est devenu constructeur de matériel. Donc il innove, il transforme notamment des horches, hein, c'est lui qui m'a refait celui-ci. Et depuis, il met même des disques pour découper, parce que dans certains couverts, si on ne coupe pas devant, ben, les dents ont un peu plus de mal à passer. Voilà, donc vous pouvez aller le voir, hein, il est aussi youtubeur. Donc c'est Julien Sonnet, Kiwi Agronomie. Voilà. Dont on en voit encore, vous voyez, les résidus ici-là. Alors bien sûr, elles noircissent, elles se carbonent parce qu'elles sont en surface, mais elles vont pas rester longtemps comme ça. Les vers de terre, hein, dont on distingue, vous voyez, les turricules, il y en a un petit peu partout. J'espère vont faire le boulot cet hiver, ainsi que les champignons. Bon, pour l'instant, un bon stade pour passer l'hiver, surtout que KWS Faro est plutôt résistant au froid, donc je ne crains trop rien, hein, surtout qu'on est quand même le 24 novembre et on n'a pas encore eu de gelée. Bon, voilà, jolie parcelle pour l'instant. Alors pareil, hein, c'est la parcelle où j'avais été obligé de la retravailler à cause des dégâts de sangliers. Et bon, il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours. Et ils viennent, vous voyez, ici, je suis pas loin de la Nationale. La Nationale 44, je suis à une centaine de mètres. Avec notamment, a été posé là-haut un percepteur des impôts automatiques. Hein, les radars de chantier. Et en bordure, il y a des dégâts de sangliers. Du moins, les sangliers ont grougné le sol, ont fait des traits dans le sol. Donc faites gaffe quand même, hein, c'est les périodes de chasse. Et les périodes de chasse, les animaux sont déplacés. Et c'est souvent la nuit qui rentre sur leur territoire. Oh là là, je crois que j'arrive justement sur... Alors c'est encore rien, mais... Voilà, vous voyez, on commence à voir... Voilà, il est venu gratter un petit peu ici. Ici, bon, ça c'est rien du tout, hein. Mais on voit que... Voilà, là, il est venu beaucoup gratter beaucoup plus. Et là, ça fait déjà une bonne dizaine de centimètres. Et puis, ben, sur la longueur, dans un écart de semis. Un écart entre deux semoirs, puisque cet hiver, j'ai été malheureusement... Enfin, cet hiver, cet automne, pour semer quasi l'ensemble de mes cultures. J'ai un défaut sur mon GPS. J'ai pas eu le temps d'appeler la concession pour qu'ils viennent voir ce que c'était. Et bah, j'ai tout fait à l'œil, hein, en faisant un repère dans le tracteur. Et en 9 mètres, et bah, c'est pas évident. Mais bon, on finit par y arriver. Hein. Alors on voit quand même, je sais pas si vous voyez les petites bosses qu'il peut y avoir là, de sombre, alors face au soleil peut-être pas. Ce sont des dégâts de sanglier. Alors, j'espère que c'est le même qui me faisait des dégâts là-haut. Et que ce serait celui qui aurait été tué. Bon ben voilà, allez, on va essayer d'aller... Alors mon dernier blé semé, c'était dans la parcelle où j'avais fait un blé en direct dans la luzerne. Je l'ai semé le 14 novembre. Donc je suis passé tout à l'heure, il est seulement germé. Donc pas levé du tout. Donc on y repassera beaucoup plus tard. Là, je vais essayer d'aller dans une parcelle où j'ai semé en direct dans une luzerne qui avait 3 ans. Bon, on se retrouve là-bas. Allez, c'est parti. Bon, à ce coup-ci, j'espère que vous me voyez encore. Alors là, on se retrouve dans une parcelle de blé semée en direct avec les pointes Winge derrière luzerne. Alors, j'avais filmé, j'essaierai de vous le mettre, mais comme j'avais semé de nuit, du coup, on voyait pas grand-chose. Donc, j'avais filmé un petit peu du tracteur, hein, quelques secondes. 29 octobre, 19h30, alors semis de blé en direct. Donc vous voyez la luzerne, je l'ai détruite au glyphosate, du moins je l'ai endormie comme l'année dernière. Et on voit ici, vous voyez les deux rayons qu'ont formé la pointe Winge de chez Metcalf. Alors je peux vous dire que ici ça fait un faux plat. Donc dans le sens de la descente, ça allait vraiment tout seul à semer. Par contre, dans le sens de la montée, il a vraiment fallu que je trouve le bon réglage.
parce que le tracteur en avait plein les pistons, on va dire. Je vais essayer de vous trouver, par exemple ici c'est une parcelle, c'est un sens de semis où j'ai semé en montant. Vous voyez, on voit la zone ici, la zone du pneu hein, qui est un petit peu plus enfoncée et un petit peu plus éclaircie. Hein, pareil ici. Alors que dans les zones, il aurait fallu que je vienne plus tôt de jour, mais dans les zones où ça a été semé en descendant, franchement, ça allait tout seul. Alors c'est dommage que j'ai pas pu filmer plus que ça, parce que c'était assez impressionnant, parce que la luzerne, avec le temps qu'il faisait, avait pas mal repoussé. Elle faisait, on le voit peut-être encore là, si je redresse les brins. Vous voyez, elle faisait bien 15-20 cm de haut. On voyait pas du tout les dents. Mais du fait que la luzerne était accrochée au sol, hein, vous voyez, elle tient encore bien. Hein, ça bourrait pas du tout. Ça allait vraiment, vraiment très très bien. Bon voilà, hein, pour un semi du. Là on était le. Bon, il faudra que je regarde. Donc vous voyez, c'est pas mal levé, hein, qui aurait pu penser ça. Enfin, faut dire que là, je sais pas où on va d'un point de vue des températures. J'espère qu'il va quand même geler un petit peu cet hiver. Hein, les sols en ont besoin. Mais bon, c'est tout. Hein, si il gèle pas, je pense qu'il y en a pas mal qui vont souffrir. Mis de petits pois. Alors je ne sais plus si j'ai pu filmer ou pas, parce que je pouvais pas beaucoup bouger du tracteur. Mais bon, voici la levée, hein. Là on est le 24 novembre. Donc vous voyez, ils sont au stade cross, donc pois d'hiver, derrière orge de printemps. Donc c'est pas un semi direct, on le voit d'ailleurs, hein, le sol est. J'ai perturbé le sol en surface au disco mulch pour essayer d'enfuir une grosse partie des résidus de récolte et puis en même temps de l'orge de printemps qui avait repoussé pendant tout l'été. On en voit, vous voyez là, ce qui est vert, on en voit encore pas mal de traces. Ici aussi, bon là, il y a pas mal de raies gras aussi, mais comme c'est une culture sur laquelle je vais pouvoir faire des antigraminées dès qu'il sera un petit peu plus développé, ben ça tombera bien. Ça tombera très bien, puisque là, il y a donc des pois. Derrière les pois, je vais certainement mettre un colza. Et ce qui fait que ça fera deux cultures sur lesquelles je peux désherber les graminées. Donc j'espère pouvoir me débarrasser en grande partie de ceci, puis en travaillant le sol seulement superficiellement, ne pas ramener des graines du fond de 25 cm, on va dire, en surface, pour que ça repousse, etc. C'est tout, hein, faut chercher des méthodes alternatives quand certaines autres ne fonctionnent plus. Hein, certains désherbants maintenant dans les blés ont du mal à fonctionner si on les fait pas l'hiver. Au printemps chez nous c'est quasi fini, on peut plus désherber des blés au printemps, donc il faut trouver des alternatives. Voilà. Bon bah écoutez, on va se retrouver dans le colza juste à côté. Bien, nous voilà dans mon colza, donc derrière petit pois de printemps là. Donc beau colza. Vous voyez, correctement développé, hein, j'ai mis un petit peu plus de 30 pieds par mètre carré. En plus de ça, ils sont entre 8, ça dépend les places, entre 800 grammes et 1400 grammes de poids de végétal à l'entrée d'hiver. Bien que là, on voit toujours pas de rougissement, donc il n'y a toujours pas de manque d'azote. Ce qui est normal, puisque c'est derrière petit pois, vous voyez. On les voit ici, commencent à fleurir. Bon, ils vont pas fleurir longtemps parce que peut-être que les gelées vont finir par arriver. Mais bon, voilà. On va avoir des petits pois au mois de novembre, fin novembre, c'est pas mal. Alors, quelques autres mauvaises herbes qui ont traversé. Vous voyez, des mercuriales. Alors, l'été, on appelle ça, ce sont des plantes de couverture. Il y a les mâles et les femelles. Normalement, ce sont des plantes, si on a des périodes de gelée, qui devraient geler cet hiver. Donc pour ce colza-là, le désherbage est totalement terminé.
Il y a une autre parcelle, bon, on n'ira pas, de derrière pois aussi et puis lentilles, de 6 hectares 35 que j'avais pas désherbé parce que ça avait été semé un petit peu plus tard que, enfin, on va dire juste fin vendange, c'est-à-dire le 5 ou 7 septembre de tête. Faudrait que je regarde mes notes, mes enregistrements, mais 5 ou 7 septembre, bon, celui-là est pas comme celui que je vous ai montré que je détruirai au printemps. Il a réussi à pousser correctement, il est un peu moins beau que là, hein. Il est qu'à 600-700 grammes à peu près par mètre carré de poids de végétal. Mais il est quand même plus beau et je ne l'avais pas désherbé au cas où je doive le retourner. Hein. Ça ne sert à rien de mettre des sous dans quelque chose que vous allez détruire. Bon, vous voyez, hein, c'est étonnant quand même à voir les repousses de pois voilà, dans le colza. Bon, c'est bien. Hein. Bon, j'espère que vous me voyez encore parce qu'il est bientôt 5h dans 5 minutes, enfin 17h, et ça se couche, le soleil se couche. Bon, je vais essayer d'aller... Bon, toujours dimanche 27 novembre, il est 16h. Alors là, c'est juste pour vous montrer un colza derrière lentille. Alors vous voyez, c'est assez incroyable, les lentilles sont toujours là. Et le colza a été en partie concurrencé par les lentilles, assez bizarrement, parce que vous voyez la taille du colza. Et je vais vous montrer à l'intérieur du champ, qui était en petit pois. Voilà, dès qu'on arrive dans la partie en pois. Alors là, j'ai pas désherbé encore anti-dicote et anti-graminée. Vous voyez la partie derrière pois, qui sont d'ailleurs en fleurs. Ben, ils sont beaucoup plus développés. Voilà, j'espère qu'on le verra avec la GoPro. La partie à gauche, c'est derrière petit pois. D'ailleurs, ce qui est vert pâle ici là, ce sont des petits pois qui ont levé. Et à droite, là où le colza est beaucoup plus petit, ben, c'est derrière lentille. Donc le colza a quand même subi un petit peu la concurrence, même pas mal des lentilles. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais essayer de faire un petit montage avec ce que j'étais arrivé à filmer tout doucement et tranquillement. Je reviendrai vers vous pour mon maniscopique parce que je pense que j'ai ma pompe hydraulique qui est morte. Je vous montrerai les symptômes et puis vous essayerez, pour ceux qui connaissent, de me dire si c'est ça ou pas, ou si vous connaissez des gens qui pourraient me le dire. J'ai fait appel à une société, mais alors j'ai ouvert un compte, parce qu'il a fallu que j'ouvre un compte. Et ça fait déjà plus de 15 jours que ça dure, ou ils viennent pas. Alors c'est tout, je vais essayer de me débrouiller tout seul, et puis de démonter ça comme un grand, puisque c'est une pompe à engrenage, je crois, donc ça doit pas être si difficile que ça... à démonter, à réparer et à remonter. Je pense que le plus dur, c'est de trouver les pièces. Bon, allez, c'est tout. Je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien. Et puis, à la prochaine vidéo, en espérant que ça aille. Allez, salut. Bon, 24 octobre, 17h45. Toujours avec mon disco mulch. Bon, j'aurais pu tourner encore un petit peu, mais voilà. Un bel orage qui arrive. Donc je pense que ça va être signe de retour sous les hangars. Bon, ben ça va, je me suis sauvé du champ. Bon, voilà, coucher de soleil. Il me reste 20 mètres à faire. Ouais, 20 mètres, on va dire 18-20 mètres, grosso modo. Bon, les éoliennes n'ont toujours pas bougé. Là, la vue arrière de ce que je vois. Donc je ne roule pas très vite. Je suis à 5,3, 5,4 km/h. Parce que tout simplement, il y a pas mal de paille. Alors l'avantage avec un semoir à dents, c'est que on ne met pas la paille au fond du sillon, contrairement au semoir à disque.
Donc je ressors la paille et puis la graine est vraiment très bien positionnée, environ à 3 cm, 3-4 cm. Donc c'est ce que je recherchais. Je vous montrerai, j'ai remis les pointes Winch dessus, les Metcalf Winch. C'est-à-dire c'est des pointes qui font deux sillons derrière, ça fait deux petits sillons séparés de 6 cm à peu près. Alors comme mes dents sont tous les 25 cm, ça me permet grosso modo d'avoir un rayon tous les 19 cm. Hein, deux rayons à 6 cm l'un de l'autre, et un rayon à 10, puis l'autre à 19, et puis 6, et puis 19, et puis 6. Hein, je sais pas si je me fais bien comprendre. Si jamais j'avais laissé les pointes fines Metcalf, j'aurais un sillon tous les 25 cm. Là, j'essaye de répartir un peu plus pour occuper un petit peu plus le terrain. Et en plus, je veux essayer de minéraliser un petit peu plus, hein, pour manger un petit peu du capital de mon sol, on va dire, minéraliser un petit peu de matière organique pour avoir un petit peu plus d'azote. Donc on verra ce que ça donne. C'est la première fois que je les utilise en semis d'automne. Là, je suis donc à 320 grains par mètre carré avec un escourgeon, une orge d'hiver, donc Syrah, KWS Faro, F-A-R-O de nom, PMG 41, donc 41 de PMG multiplié par... je sais plus ce que je voulais dire, par 320 grains, pardon, ça fait 131 kg, c'est ce que j'ai réglé sur... sur mon boîtier Orche. Alors pour l'instant, j'espère que ça va aller. Il a mis très longtemps à démarrer. Je pense que, parce que j'ai fait réparer le boîtier, j'en ai eu pour 564 euros de tête, je vérifierai, mais je crois que c'est ça. J'ai injecté dans l'interrupteur du contact. Hein, vous voyez ces machins-là, là, Bardal nettoyant contact. Et par magie, quelques secondes après, le boîtier s'est allumé. Je pense donc, et je l'avais demandé, à ce que ce soit l'interrupteur qui soit changé, et je pense que l'interrupteur... n'a pas été changé, j'ai regardé sur internet, il doit y en avoir pour 3,50€, donc je vais acheter l'interrupteur. Soit je le fais, mais j'ai un copain qui fait mieux que ça, qui fait les soudures électroniques mieux que moi, on va dire. Donc je vais lui faire changer, et puis si c'est ça, ben je pense que ça va pas trop bien se passer quand même vis-à-vis de la boutique qui a fait ça. Surtout que sur la facture, j'ai juste le prix, mais je ne sais même pas ce qui a été fait comme travail. Donc même si j'allais voir quelqu'un d'autre, il me dirait ben, qu'est-ce qui a été fait, ben oui, même pas au courant. Bon, c'est tout, voilà. Bon, je vous laisse sur ce joli horizon, je pense, hein, le soleil se couche sur un beau ciel bleu. Moi, j'espère avoir assez de semences. Normalement, oui, mais bon, on sait jamais avec ce semoir-là, c'est jamais évident. Bon, voilà, je vous laisse là-dessus, et puis ben, je vous retrouverai pour une future vidéo. J'espère que celle-là, les explications ont été satisfaisantes. Là, je le dis déjà là, mais je vais préparer ma vidéo sur le travail du sol avec mon disque mulch, donc un DDI, disque des chômeurs à disque indépendant, j'en perds mon latin. Et puis voilà, et puis le pire c'est quand vous entendrez ces paroles, bah vous aurez déjà vu normalement l'autre vidéo si tout va bien. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Salut.